Voilà, messieurs, vous voyez derrière moi, eh bien, c'est la gare où ils arrivent. Voilà, ils sont là-bas. Alors, il y en a qui veulent prendre le train, il y en a qui prennent les bus. À part la mise en place de bus pour l'Allemagne et de train, il n'y a pas grand-chose. Hein. Un peu de flotte et puis casse-toi. Hein. Voilà, donc en fait, il n'y a pas grand-chose comme structure. J'ai essayé de voir un responsable pour essayer de voir ce qui était possible de faire ou pas. Pour voir s'il y a la possibilité de ramener encore d'autres personnes. Bah non, il n'y a pas de responsable. C'est chacun la démerde. Il y a des jeunes qui sont des volontaires qui aident. Je pense que c'est des assos. Puis c'est tout. Puis il n'y a rien. Puis beaucoup encadrés par la police polonaise. Mais il n'y a rien de rien. Il n'y a rien, strictement rien de fait. Donc voilà, donc de là, depuis la gare, on ne peut pas faire grand chose. Depuis, j'ai vu même des bus ukrainiens, des mini-bus ukrainiens arriver. Mais bon, voilà, messieurs. Là, depuis la gare, on m'avait dit qu'il y avait une structure, qu'ils étaient bien accueillis. Là, j'ai des doutes. Hein. Là, j'ai l'impression, du moins, s'ils sont bien accueillis, si, je dis des bêtises. Mais pour le reste, ils sont bien accueillis à la frontière. Mais pour le reste, apparemment, la police est gentille. Ils les renseignent correctement. Et ils les écoutent, ils sont à leur écoute. Mais voilà, ils sont mis dans les bus, puis après, ciao et démerde-toi, quoi. Depuis l'Allemagne, donc tout ce qui veut partir en France, ben je pense que le périple est que le début. Voilà, messieurs, je vous dis à bientôt et ciao.